Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va vérifier un petit peu cette ruche qui est sur 10 cadres. On va regarder les réserves rapidement, voir si il faut réduire. J'ai pris quelques partitions. Et on va aussi passer un petit coup de varomède pour faire baisser la pression de varroa. Voilà. Et même si elle a déjà les lanières à pivot. Donc je vais soulever déjà, on va voir un petit peu. Bon voilà, c'est lourd. Hein. C'est lourd, il doit y avoir pas mal de réserves. On va regarder un petit peu juste le côté, ce que ça dit. C'est à réduire, bon. Voilà, je vois à peu près que la grappe est plutôt sur le devant, mais il y a pas mal d'abeilles. On va regarder ça rapidement. Pas trop les embêter. Ce cadre m'a l'air léger. Ah, il y a un peu de miel. Bon, ça c'est vide, c'est sec. Voilà, donc celui-là je vais le sortir, hein, ça sert à rien de laisser un cadre comme ça. Je sais pas si vous l'entendez, il y a quand même un peu de vent. Après il fait super beau. Et celui-là il est par contre nettement plus lourd. Ouais. Donc voilà, ça c'est... Il est plus lourd, mais il en manque encore un peu. Alors là, je ne vais pas nourrir parce que tout simplement, bon, il y a encore de la réserve là. Tout simplement, le lierre doit arriver dans pas longtemps. Et je ferai le plein de réserve d'ici 3 semaines, 1 mois. Parce que moi, je suis dans le sud. On a quand même un peu de marge avant qu'il fasse mauvais temps. Donc on a encore 3 semaines tranquilles pour faire les réserves, le point sur les réserves. Je vais mettre une partition et je vais faire le varomède. Partition. Hop. Et je vais maintenant passer le petit coup de varomède. Donc pour ça. Je pense qu'il faudra que je réduise encore un peu, mais on sera toujours à temps de le faire d'ici une semaine ou 15 jours encore. Allez. Et voilà. Hop, on va remettre ça. Voilà, donc moi ça fait pas encore le plein, comme je le disais, de réserve. Il y a encore de la marge. Et voilà, cette ruche c'est fini.